La douzaine d'expressions. Thème. Sourire. Sourire. Le sourire est une expression faciale caractérisée par le soulèvement des coins de la bouche, souvent accompagnée d'une lueur dans les yeux, témoignant d'une émotion positive telle que la joie la satisfaction, l'amusement ou l'amitié. Il s'agit d'un geste universel de communication non verbale, capable de transmettre des émotions positives et d'établir des connexions entre les individus. Le sourire peut refléter l'état émotionnel d'une personne ainsi que son ouverture et sa bienveillance envers les autres, et il a le pouvoir d'améliorer l'atmosphère sociale et de créer des liens humains. 1. Avoir le sourire aux lèvres signifie être heureux, joyeux ou satisfait. Exemple ⁇ Malgré les difficultés, il a toujours le sourire aux lèvres. Lorsqu'elle a reçu la bonne nouvelle, elle a eu le sourire aux lèvres toute la journée. 2. Faire sourire quelqu'un. Faire rire ou amuser quelqu'un. Exemple. Son humour toujours drôle fait sourire tout le monde. La comédie a fait sourire les spectateurs pendant toute la représentation. 3. Avoir un sourire éclatant. Avoir un sourire lumineux et beau. Exemple. Grâce à ses dents blanches, elle a un sourire éclatant. Le dentiste a fait en sorte d'avoir un sourire éclatant après le blanchiment. 4. Garder le sourire. Rester positif malgré les difficultés ou les problèmes. Exemple. Même dans les moments difficiles, elle arrive toujours à garder le sourire. Il a perdu son travail, mais il garde le sourire et cherche des opportunités. 5. Un sourire en coin. Un sourire léger et mystérieux. Exemple. Quand je lui ai posé la question, il a affiché un sourire en coin. Elle a raconté une blague et a fini avec un sourire en coin. 6. Sourire à pleines dents. Sourire largement en montrant toutes ses dents. Exemple ⁇ Quand il est heureux, il sourit à pleines dents. La photo de groupe montre tout le monde souriant à pleines dents. 7. Un sourire enjôleur. Un sourire séducteur ou charmeur. Exemple ⁇ Elle lui a lancé un sourire enjôleur pour le séduire. Le vendeur a utilisé son sourire enjôleur pour attirer les clients. 8. Le sourire du vainqueur. Le sourire de satisfaction après une victoire. Exemple. Après avoir remporté la compétition, il avait le sourire du vainqueur. Les joueurs ont échangé des poignées de main et des sourires du vainqueur. 9. Faire un sourire en coin à quelqu'un. Faire un sourire subtil ou ironique à quelqu'un. Exemple. Quand elle a vu sa réaction, elle lui a fait un sourire en coin. Le professeur a fait un sourire en coin à l'élève qui avait donné une réponse incorrecte. 10. Un sourire ravageur. Un sourire très séduisant ou charismatique. Exemple. Son sourire ravageur a conquis le cœur de beaucoup de gens. L'actrice a un sourire ravageur qui la distingue sur les tapis rouges. 11. Un sourire narquois. Un sourire moqueur ou ironique. Exemple. En entendant sa remarque. Il a affiché un sourire narquois. Lorsqu'elle a vu son rival perdre, elle a eu un sourire narquois. 12. Un sourire timide. Un sourire réservé ou timide, souvent chez les personnes introverties. Exemple. Elle a donné un sourire timide quand on lui a complimenté sa tenue. Le nouvel employé a un sourire timide lorsqu'il rencontre des collègues pour la première fois. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans un petit café en bord de mer, vivait une jeune serveuse du nom d'Emma. Elle avait toujours le sourire aux lèvres, rendant l'endroit chaleureux et accueillant pour les clients. Chaque jour, elle faisait de son mieux pour faire sourire quelqu'un, que ce soit en bavardant joyeusement avec les habitués ou en offrant un service attentionné. Emma était connue pour avoir un sourire éclatant qui illuminait la pièce dès qu'elle entrait. Sa disposition enjouée et sa capacité à garder le sourire, même dans les moments difficiles, étaient appréciées de tous. Elle avait le pouvoir de réconforter et d'égayer les journées des gens. Un jour, un homme mystérieux entra dans le café. Il portait un sourire en coin qui suggérait qu'il cachait un secret. Il s'assit au comptoir et engagea une conversation avec Emma, échangeant des sourires en coin tout en gardant une certaine distance. Son sourire enjôleur ne passa pas inaperçu, mais il semblait aussi porteur de mystère. Les jours passèrent, et Emma et l'homme mystérieux se lièrent d'amitié. Finalement, il lui avoua qu'il était en ville pour participer à un tournoi de jeux de société. Quand le tournoi arriva à son terme, il remporta la victoire avec un sourire du vainqueur qui illuminait son visage. Il décida de célébrer en faisant un sourire en coin à Emma. Reconnaissant qu'elle avait joué un rôle dans son succès, Emma ne pouvait s'empêcher d'être intriguée par cet homme au sourire ravageur et narquois. Elle découvrit que derrière sa façade mystérieuse se cachait un homme charmant et sincère. Au fil du temps, son sourire en coin se transforma en un sourire timide et véritable. Leurs sourires se mêlèrent, révélant la naissance d'une belle histoire d'amour née de l'échange de sourires et d'émotions partagées. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.